J'ai dit, toi, tu as dit que tu vas me dire. J'étais un tchoum, un yumba. Un peu pendant 3 ans. Fait là mais ces jours-là, j'ai dit que. Ouais, qu'il plaît, qu'il neige. Je dois faire quelque chose. Trop seul, trop 3 ans. Même si je suis avec ma copine. J'ai oublié quelque chose. Aujourd'hui, je puisse recevoir mon indépendance. Il faut je dois être indépendant. Finir la colonisation. Je voulais dire non, non. Je pousser. Je suis dans ce modèle. Donc, quand tu dis que tu vas me taper, quand tu penses que tu peux me taper, j'ai pris l'avance. Je l'ai donné 3 paires de couilles. Au revoir, on va parler mon tableau. Mais non, pas. C'est ce que le diable fait. Je vais laisser carrément l'air. Il faut faire l'offensive, ne fais pas la défensive. Yo. La vision ne la laisse pas. Alléluia. Amen. Vous chantez la chanson que tu aimes.
Tu as un rêve. Garde-le dans ton cœur. Et toi, tu avais écrit ça ici. Tu as mené ça ici. Tu as attendu, La vision doit être dans le cœur. C'est Christ qui se fait voir la messe du monde. Alléluia. Dis à ton frère, mets ta vision dans ton cœur. Cette vision jalousement. Quelles que soient les circonstances, ne sois pas comme Zacharie. Il y a des chrétiens comme ça. Comme un pasteur qui priait pour un paradis. Il a prié le paradis. Il finit dit Dieu, je savais. Je savais que je devais partir. Le bon Il y a des gens qui comptent Dieu. La Bible dit quand tu demandes quelque chose, tu as tout point. Combien de choses quand tu pries. Pour chaque bien soignant. Dieu, si tu veux, tu fais. Bien, Jésus s'ouvre. Vous voyez comment Zacharie s'est laissé limiter. Nous avons encore une autre personne qui s'est laissé limiter. De côté, moi, Sarah. Genèse 16, 1 à 4. Sarah était stérile. Dieu nous avait promis une descendance. Dieu avait promis à Sarah et à Abraham un enfant. Au fur et à mesure de l'âge avancé, le couple vient d'exaspérer. Sarah s'est laissé limiter par sa stérilité. Un jour, il vient voir Abraham. Il dit Père Abraham, je suis à Abraham. Nous sommes en train de mourir sans enfant. Parce que la promesse de Dieu là, trop duré. Comment tu es fatigué d'attendre Dieu? Beaucoup l'occasion du peuple hébreu. Beaucoup l'ont dit Yahou. Mais c'est des choses qui les influençaient à travers des nations païennes. C'était la pratique d'autres nations. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés dans ces nations, ils ont vu comment les choses s'étaient passées. Et aussi, ils ont commencé à pratiquer ça. Mais ça ne figurait pas dans le plan de Dieu. Sarah s'est laissée limiter. Elle s'est dit. Je ne peux plus concevoir. Je ne peux plus avoir un enfant. Fais seulement avec Agar. Quand tu donnes une femme à ton mari, il y a des gens qui marchent avec beaucoup de promesses. Dieu a dit que concernant. Dieu t'a dit. Dieu t'a promis beaucoup de choses. Et parce que tu ne vois pas cela, tu t'es laissé limiter aux circonstances que tu traverses. Et tu as tourné le regard sur des choses éphémères. S'il te plaît. Reviens à ta vision. La Bible dit, la promesse de Dieu, même si elle tarde, elle s'accomplira. Alléluia. Amen. Dis, ne sois pas Sarah. Ce que Dieu t'a promis s'accomplira. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. La troisième personne, c'est Gédéon. Juges 6, 12 à 15. Israël était sous l'emprise des Madianites et des Amalek. Quand Israël travaillait, quand Israël s'aimait, c'est les Madianites qui venaient récolter. Ils ont commencé à crier à Dieu. Dieu lui-même est descendu, l'ange de l'éternel. Il est venu rencontrer Gédéon. Il dit à Gédéon, va avec la force. Dieu dit, vaillant héros, va avec la force que tu as. Gédéon dit à Dieu, qui est vraiment héros. Qui est vraiment héros.
quelle force que j'ai pour délivrer Israël. Man bandore la am ngir yéme Israël. Si Dieu, le Dieu de nos parents nous ont parlé, si les gars nous pouvons souffrir, Dieu dit, c'est toi qui vas délivrer ton peuple. Regardez son raisonnement. Et si ma famille est comment? Ta famille est comment? Ma famille est la plus petite, la plus pauvre de toutes les tribus. Moi je suis aussi le chef. Ce que Dieu veut faire avec toi, là où Dieu veut t'emmener, ça ne dépend pas de la condition de ta famille. Que ta famille soit pauvre ou pas, le plan de Dieu s'accomplira dans ta vie. Tu es venu de cette famille, mais ta destinée n'est pas liée à ta famille. Ta destinée est cachée en Christ. Les circonstances de ta famille ne peuvent pas déterminer ton avenir. Là où ton père n'a pas pu arriver, toi tu vas arriver. Parce que tu es de Dieu. Si ta maman n'a pas pu avoir la licence, toi tu as la licence. Mais pourquoi tu veux te limiter par rapport au niveau de tes parents? Ça c'est la mentalité de l'homme. Mais la pensée de Dieu, c'est pas la pensée de l'homme. Je pense d'une autre manière. Quand Dieu te voit, il voit en toi les capacités d'être au-dessus de toutes choses. Quand Dieu te voit, il voit en toi un vaillant héros. Quand Dieu te voit, il te voit plus que vainqueur. Quand Dieu te voit, il te voit déjà marié. Et surtout, tu vois les circonstances. Est-ce que vraiment, est-ce que dans la foi, il n'y a pas de est-ce? Est-ce que c'est le procès de la foi? Est-ce que c'est dire à Dieu cette émission? Est-ce qu'il y a encore est-ce que nous on marche avec la foi? Alléluia! Dis à ton frère, tu es frère. C'est toi qui vas délivrer ta famille. Même si ta famille est la plus petite, même si dans ta famille n'a pas eu de docteur, de directeur, de cadre, c'est toi qui vas changer l'histoire de ta famille. J'ai dénoncé les ennemis. À cause de sa famille, à cause des circonstances, quelles sont les choses qui te limitent, frère? Quelles sont les choses qui te limitent? Toi-même, tu t'es laissé limiter. Je pose avec des gens, moi je le pose pour mariage. Je le pose comme le mariage va consacrer. C'est clair. Dieu dit celui qui m'aime, je l'aime. Moi je ne le pose pas au mariage. Je ne pense pas à toi. Le mariage pense à ce qui pense à lui. Je ne pense pas à devenir grand. La grandeur aussi s'en fout de toi. Tu seras petit. Dieu fonctionne avec nous en fonction de notre rêve. Dieu nous amène là où on est déjà arrivé par la foi. Là où tu n'es pas arrivé par ta foi, il ne faut jamais imaginer que Dieu va t'amener là-bas. Non. La Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quand Dieu regarde ta foi, si ta foi est vivante, si ta foi marche au-delà de limite, Dieu s'engage avec toi. Dieu te prend. Dieu te dit que parce que j'ai mis ta foi, tu as vu que tu vas te marier avec Jérémie en 2014 ou 2015. Alors on marche. Alléluia. On marche. Et achète-toi, comme le fil, fort. C'est ça ta foi. Je ne sais pas. Je ne peux pas prier ta prière parce que tu as laissé. Est-ce que je parle à Dieu? Faut bien dire Amen, il faut bien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu.
les 10 espions. Mais Si ta foi est conjuguée par le mais, c'est la foi des séphirins. La foi des séphirins. Ou des colons. Dans la foi qui n'a pas le mais. Nous avons vu le fils d'Anna. L'échéon. Pour que nous étions à l'air aux yeux comme quoi. Nous disons le cas de nous. Ce n'est pas les gens qui nous ont dit que vous êtes à notre bon Dieu que le souterrain. Mais eux-mêmes, ils ont créé une image par rapport aux circonstances et se sont laissés comme des souterrains. Quels sont les géants quand tu regardes? Probablement je suis souterrain là. Quel est le problème que tu te retrouves comme souterrain? Pas de bien fait, j'ai fait. Pour le chocou. Nous t'en dis. Ils ont dit que Moïse, on était comme des souterrains. Comme des nés. On les regardait comme ça. C'est des gens qui font ces nous. Ces personnes ne vous ont rien dit. Ils ne sont même pas essayé de vous écraser. Le problème, tu peux déjà laisser écraser. C'est ça l'attitude des chrétiens ordinaires. Qui marchent dans la défaite avant même la défaite. Il y a aussi des chrétiens qui sont déjà vaincus avant d'être vaincus. Avant, notre famille, comment tu peux accepter ça? Dans notre famille, personne ne fait ça. Mais comment tu peux croire cela? La famille ne se connaît pas. Si tu as entendu dans ta famille, les gens ne se marient pas. Mais tu vas faire cela, tu ne vas pas te marier. Alléluia. Amen. Je vais parler rapidement, je vais donner. Les symptômes d'une personne limitée. Les symptômes d'une personne limitée. Comment savoir que je suis limité? Gloire à Dieu. Premièrement, des échecs à répétition. Ça, ce sont les indices. Les signes qui prouvent que tu as un esprit de limitation. Des échecs à répétition. Est-ce qu'il y a des gens ici qui rencontrent des échecs à répétition? J'aime les chrétiens courageux. Gloire à Dieu. Des échecs à répétition. Il faut que tu lèves. Gloire à Dieu. Ça, ce sont des signes. Des maladies chroniques. Il y a des gens maladies chroniques. Tu es souvent malade. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Manque de progrès. Manque de succès. Ou de réussite dans tous les domaines. Il y a un manque de progrès. Tu ne fais que reculer dans tout ce que tu fais. Il n'y a pas de succès dans tes entreprises. Il n'y a pas de succès dans tes études. Il n'y a pas de succès dans tout ce que tu fais. Il n'y a pas de réussite dans tout.